souffle, souffle. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue. En cette 63e édition de l'Instant Biblique, je voudrais partager avec vous ce passage de Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce passage qui est souvent lu lors des cultes de baptême ou de confirmation nous remet au cœur de la mission des disciples qui est aussi par ricochet la mission de l'Église. Mais ce qui m'a frappé en relisant ce texte aujourd'hui, c'est la fin du passage qui est aussi la fin de l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, il y a eu ce parcours qui nous a montré Jésus en chemin, faisant l'œuvre, faisant son ministère. Et au moment donc de clôturer ce récit de l'évangile, Jésus dit cette parole, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chers frères et sœurs, s'il y a une chose qui nous inquiète de plus en plus ces temps-ci, c'est la solitude. Cette solitude est la peur d'être seul, seul face à ses défis, seul face à tout ce qu'on doit affronter. Mais le Seigneur Jésus promet à ses disciples d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas seulement lorsque tout va bien ou lorsque tout ne va pas bien, pas seulement lorsqu'on est éveillé, mais tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je voudrais que ce passage nous porte, nous sommes encore au début de l'année, que vous sachiez que Jésus-Christ est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les situations, quels que soient les moments, les temps, le Seigneur Jésus, dans sa fidélité, nous assure et nous rassure de sa présence. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. En ce milieu de semaine, sentons-nous réconfortés par cette parole. Oui, il est avec nous. À nous de prendre conscience de sa présence et qu'il nous porte. Nous prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour Jésus que tu nous as donné et qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous laisse pas seuls, il ne nous abandonne pas. Nous prions que tu nous accompagnes aussi et que la présence de Jésus soit effective dans nos vies. Donne-nous d'être conscients de sa présence, cette présence qui est nécessaire dans la vie où tu nous as placés. Seigneur, merci de continuer à veiller sur nous. Nous nous recommandons à toi, nous et tous ceux qui nous sont chers, nous et nos projets d'église. Nous nous recommandons à toi. Nous te recommandons notre monde. Donne-nous, Seigneur, de continuer à te faire confiance. Merci, au nom de Jésus. Frères et sœurs, merci pour votre fidélité à ce programme de l'Instant Biblique, qui est un programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une bonne continuation de la semaine. Mais avant de nous séparer, je propose qu'on chante ce cantique, le 45-10, « J'ai soif de ta présence ». C'est dans le recueil « Alléluia ». Alléluia, autant pour moi. Alors Dieu vous bénisse et vous garde. Et à très bientôt. Au revoir.
Faiblement pour âge que feu.